Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce défi live. Je sais pas combien parce que j'ai pas regardé les numéros. Marie-Christine Ostache, cultivatrice de bonheur, pour vous accompagner à réaliser les rêves que vous avez dans les poches et que vous n'osez pas ou que vous n'arrivez pas à mettre en place. Aujourd'hui, je fais ce défi live parce que ce matin, comment ça m'est venu? Bon, j'ai vu évidemment les publications pour le 1er novembre, la première porte du calendrier de l'Avent. Bon, à la maison, je n'ai pas de calendrier de l'Avent. Je vous expliquerai pourquoi. Et en fait, m'est venue l'idée, ce matin, j'ai commencé mon habituel Qigong, respiration, et j'ai fait une séance de sport. Et là, je sais pas comment c'est venu, en fait, bref. Je me suis dit, mais ouais, en fait, j'ai envie de faire un calendrier de l'Avent pour les personnes qui me suivent, pour la communauté, personnes avec lesquelles je suis en contact, ceux qui reçoivent mes messages régulièrement. Et donc, j'ai embarqué là-dedans. Voilà, hop. Direct. Alors, l'origine de l'idée, elle est un petit peu que mes filles, enfin, surtout ma grande, m'a demandé si j'étais ou pas calendrier de l'Avent. Je lui ai dit, écoute, non, pas trop, parce qu'en fait, ce qui me dérange dans ce qu'il y a actuellement beaucoup, c'est des calendriers commerciaux. Et voilà, alors soit avec des chocolats, soit avec des objets divers et variés, à des prix divers et variés là aussi. Et pour ma part, j'ai pas envie de fonctionner avec ça. Par contre, ce que je me suis dit, c'est que j'ai vraiment envie de cultiver cette année pour me préparer en fait à la magie de Noël. Je fais attention en traversant. Attends, hop, c'est bon. Et pour cultiver cette magie de Noël, voilà, si j'utilise le mot cultiver, c'est qu'il y a bien une raison. C'est qu'il faut faire des petites choses tous les jours. Et pour mes deux grandes filles qui sont loin, sont à Cannes et Draguignan, j'ai décidé de faire un calendrier, mais autrement. Donc aujourd'hui, bah, je leur envoie justement une première, première surprise sur une jolie carte avec une invitation à faire quelque chose. Voilà. Et je me suis dit que ben, j'allais faire pareil pour les personnes qui avaient envie d'embarquer avec moi, qui avaient envie de vivre cette magie de Noël. Donc là, je suis en train de me dépêcher un petit peu parce que c'était le courrier avant de manger et d'aller travailler. Donc il y a le lien qui est mis en commentaire d'une publication que j'ai faite. Chacun, chacune peut rejoindre, c'est offert, il n'y a pas rien à régler, c'est offert, c'est pour partager, cultiver, chacun de son côté, la magie de Noël et le faire ensemble. Puis évidemment, qui dit calendrier de l'Avent dit qu'il y aura des surprises, mais ça, vous verrez ça au fur et à mesure, en ouvrant le message du jour. Voilà, ça fonctionne uniquement sur inscription, bien sûr, parce que j'ai besoin de votre mail. Donc, c'était l'envie du jour et ça m'a mis beaucoup de fun, beaucoup d'amusement. Alors que je me trompe pas, là, ça va à Nantes, ça va ailleurs. Hop. Voilà. Oh, j'ai pas regardé le poids. J'espère que ça va. J'ai pas vérifié le poids de la carte pour l'enveloppe. Bon. Quelque chose dont je ne me souvenais plus. J'espère que ça va aller. Et voilà, donc c'était le live du jour. Donc vous me voyez avec l'écharpe, les bonnets, les gants, s'il commence à faire froid ici. Commence à piquer un petit peu au niveau de la température. Et sinon, bah quoi d'autre aujourd'hui? Non, bah voilà, c'est tout ce que je souhaitais vous partager. Donc si vous avez envie d'embarquer pour cultiver la magie de Noël à mes côtés jusqu'au 25 décembre,
Eh bien, c'est le calendrier de l'Avent. Le premier mail a été envoyé ce matin. Et donc, il y en aura un chaque matin qui sera envoyé sur les coups de 9h à peu près. Voilà, c'est ce que je me suis mise timing pour que chacun, chacune puisse l'ouvrir le matin de bonne heure. Avant de commencer la journée. Parce que cette magie de Noël, on va la cultiver en fait pendant les 25 jours. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Faites de beaux rêves et à demain.